Bon, allez, c'est parti, la Nintendo 64 sortie en 64. En 1964. Et le 32X en 1932. Attends, non, allume pas maintenant, mais il est fou, lui. Oh là là, ça va faire disjoncter le disjoncteur. Ouais, c'est des plombs encore chez toi. Hein, c'est des rétroplombs, attends. C'est des octoplombs. Il y a de l'amiante dedans, faut y aller mollo. Alors, à quoi joue ton cake? Eh ben, à GoldenEye 007. Et pourquoi? Vas-y, tu peux l'allumer désormais. Et on va expliquer pourquoi on a adoré ce jeu. Oh, programme non autorisé, forcément. Ah non, si, ça marche. Programme non, le truc trop pirate. C'est clair. Oh là, on découvre et après on en parle pourquoi on a aimé ce jeu. SB, il fait, vas-y, mets plus de 111, s'il te plaît, Gigi. Putain, rien que ça, j'ai encore des frissons. Ça pique. Et là, on découvre quand même les génériques qu'on trouve dans chaque... Attention, un avatar de Pierce Brosnan en... En rétro 3D. Ouais. C'est un Sims. C'est Sims 1. Il vient de tirer sur l'écran. Donc oh, voilà, c'est une intro. Et il manque un côté du son hein. On n'a pas la batterie. Je voilà. Bah, je sais pas. C'est un problème mono stéréo. Veuillez nous pardonner hein. Écoutez, penchez la tête d'un côté. Peut-être que ça marchera. Enfin voilà. Donc pour un jeu, non mais pour un jeu Nintendo, elle est bonne, pour un James Bond, avoir une intro comme le film, on dirait Minecraft. Pour avoir une intro comme le film. Excusez-moi, je parle. Arrêtez de vous émerveiller devant Général Arcadie ou Roumov. Arrêtez un peu. Bon bref, là on voit les persos défiler. Oui, c'était joli hein, pour l'époque, on va dire. Mais bon, Nintendo qui fait de la 3D, c'était révolutionnaire, on va dire. Hein, Qu'est-ce que tu voulais dire? On t'a coupé la gueule. Bah ouais, mais grave, mais je voulais juste expliquer. J'adore les passeports là, si tu peux revenir sur les passeports. Merci, Sbi, s'il te plaît. Voilà. Non, mais ce jeu, non, mais voilà. Jeu, on l'a, mais lessivé quoi. Ouais, bon, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que James Bond, c'est un truc de vos parents, c'est pas pour vous, vous êtes pas client de ça habituellement. Quoi, t'as été. Ouais, mais toi, oui. Moi, j'adore. Non, mais qui a adoré les films de James Bond? C'est vrai que c'est moi, glace. J'ai vu les films contre Dr. No, cinéma, en 65. C'est Panda aussi. C'est clair. Panda, c'est le seul à aimer le peuple. Ouais, c'est clair. C'est le seul qui regarde les génériques jusqu'à la fin. Il fait waouh, tout le monde qui a travaillé là-dedans. Alors, je propose. Extraordinaire. Bon. Non, facility. Bon. Mais facility, c'est trop facile. Les gars, SP, est-ce que tu peux commenter un petit peu ce qui se passe, l'écran et tout il ça? Il peut pas, il tronche les ongles. Bon, alors, j'explique ce qui se passe à l'écran. Et vous arrêtez de me couper, on s'en fout. Allez, avec vous choisissez, d'accord? Et on va jouer en mode... Non, pas Rocket Power Weapons. Licence to kill. Non, je quitte l'émission. Non, je quitte l'émission. Salut les mecs. Allez. Power Weapon. Pas besoin, licence to kill. Voilà. Ça c'est fait, j'ai coupé vos micros. C'est vrai. Ah, bon, merci de me rendre le pouvoir de la parole. Alors, ce qui se passe à l'écran, une sélection de personnages. Ce qu'on pouvait voir et ce qu'on pouvait adorer, c'était une sorte de parchemin avec des photos d'agents secrets en noir et blanc. C'était même pas crédible à l'époque, je suis désolé quoi. Tel agent, oui, en noir et blanc. Bref, le perso préféré de Quiche, ça a toujours été Boris, qui est toujours un enfer pour nous parce que c'est le plus vicelard de tous. Mais c'est une catastrophe ce mec. C'est pas lui qui collait des mines sur la porte des toilettes. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Il t'enfermait dans les chiottes et il faisait péter la mine. Enfin bref, des trucs, c'était n'importe quoi. Ça faisait super. Bon, vous allez pas mettre 20 ans à choisir votre personnage, les gars, quand même. Je rouvre vos micros, hein, vous êtes plus sage. Moi, je prends gros. Ouais, mais... c'est le même que toi. Quiche, il les mettait sur les ouvertures de porte encore. Attends, attends. Parce qu'on les voit pas. Ça aurait été bien de revenir pour dire qui. Non, on s'en fout. Si, parce que moi, après, je vais mettre. D'accord, alors Quiche, c'est Boris. Ensuite, nous avons. Moi, je suis Bond. Ok. Sbi, c'est le gros. Moi, je suis Valentin. Et le Travelo, c'est qui? Travelian. Travelian. C'est qui? C'est du coup, c'est ah, pardon. Je ne répondrai pas à cette attaque minable. Ah, putain, j'ai envie de mettre un farmer, là. Allez, c'est parti. Lancez la partie, Golden. Allez, c'est n'importe quoi. Bon, je sais même pas si vous allez vous en sortir avec le stick analogique de la... Ah, merde, j'ai mis deux. Putain, je suis désolé. T'as mis deux quoi? Pas grave, je joue. Oh, le boulet. Mais quelle horreur, on coupera. Non, mais non, on joue pas. Et le mec à l'écran, il est là avec sa main, il donne des harakiri là. Aya. Bon, allez, quitte, c'est pas grave, y a pas de grand chargement sur ce jeu. Zbi, il est mort de rire. Ah, il y arrive même pas, mais tu fais pause, y a quoi? Y a qu'un truc, c'est marqué play. Va t'y retrouver. Play, mais non, je vais faire pause. Putain, la partie la plus courte de GoldenEye jamais vue. Bravo, les gars, même pas un frag. C'est allez. De ma faute, mais. On dirait Gookie qui joue à Battle. Oh putain, ouais, c'est clair. Attention, ça se joue. Attention, c'est parti. Forcément facilité. Ouais, le stage avec les toilettes. Ça rame. Je sais pas pourquoi ça vous a plu ce stage plus que d'autres.
Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ouais, je... concentré. Ponch, ouais. Tiens, joué, toi, tu l'avais. Ouais. Je te prends en secours, hein. T'as vu, ils sont partis dans le jeu, là, on les a perdus. Regardez, c'est pas la meilleure à gauche, map. Je suis nul à chier. Facility. J'arrive pas à Facility, pas ouais, mais pourquoi? Mais ouais, mais c'est pareil, on y a passé énormément d'heures, mais je sais pas que pourquoi. T'as plein d'ambiances différentes dans cette map. C'est vrai, t'as les toilettes. Bah ouais. T'as le couloir de. C'est vrai que c'est. De la mort. C'est le niveau le plus moche. Genre couloir de la mort, un petit labo, une grotte, c'est. On rappelle que c'est Valérie Damido qui a fait la déco. Parce que le petit carrelage là en bas, là, en termes de frise, c'est vraiment très moche. Putain, j'ai pas trouvé un seul gueulin, oh. C'est oh, Quiche qui bon, a fragué. Non, mais c'est arrête, moi. Ah, c'est toi. T'as tiré sur le coin du mur et t'as réussi à la faire. C'est gauche, c'est Bibi, moi. D'accord, forcément. Died once. Oh, tire à côté. Oh, putain, l'ambiance. Ah, il y a les films devant. N'importe quoi. Oh, oh. Il arrive même pas à chuter le touriste. Il a esquivé 8 pixels. Attention, je t'attends, le gretin. J'ai pas de faim, putain. Ah, t'as pas de faim. Bon, niveau graphisme, moi je trouve que ça passe encore. Par contre, la géométrie, c'est horrible. C'est-à-dire la trompette. Insupportable. La trompette. C'est quoi ce nom? Il avait RCP 90. Oh, en la tête du Gookie, regarde-le. Ah, le requin. Bon, alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est impossible à commenter, les gars. On joue à 4, là, c'est n'importe quoi. On va essayer de se concentrer sur je sais pas qui. Alors, en bas à droite, c'est Quiche? C'est moi. Alors, non, c'est Gookie. Vas-y, vas-y, on suit Gookie, on va se marrer. Gookie ouvre une porte, attention. Il se balade en plein milieu du couloir. Il descend les escaliers, une porte qui s'entrouvre, il y a quelqu'un derrière. Ah merde, je suis bloqué. Attention, un coup de taser dans mais la gueule. Ils sont où les flingues dans le jeu, bordel de merde. Tu t'en rappelles plus, enfin, j'ai pas. Alors maintenant, on passe à Zbi. Zbi, on va se marrer. Il a un Zbi, tout petit flingue. Zbi, il a une sorte de... Mais c'est un bueno, c'est quoi qu'il a dans la main? Zbi, il a une sarbacane. Mais non, mais c'est n'importe ouais, quoi. Un bout d'arrosoir de tuyau. Un rasoir de l'époque, je sais pas, c'est moche. Bon, c'est en moche. Tout cas, il cherche. Ouais, il cherche. Il se dandine quand il marche. Regarde de gauche à droite. Il regarde dans le gauche à droite. Ah, il est pris une balle dans le dos. Oh, bah si, en bas à droite. Je me suis fait trahir. Oh là. On passe en haut à gauche, c'est qui? Énormément de balles. Oh là, la vache, ça tire à travers les paniers. Et regardez, là, il y a un versus. Là, il y a un versus. RCP 90 qui refait le carrelage contre eux. Il refait le carrelage toujours. Ça sponsor le roi Merlin. N'importe quoi. Ah, attention, là, il y a un duel dans un couloir. Il y en a un qui arrive sur le côté. Non, il se met devant. Il va se prendre une balle dans le dos. Ah, il est là. En mousse. Bah on est dead. T'es jamais à court de munitions dans le jeu, tu meurs avant. Si, si. Surtout que là j'avais un fusil à pompe avec 5 cartouches. Oh, 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 ça fait de merde. Boris s'est vengé. Ah, ça fait de merde. Une balle, dans la tête. Boris, c'est vraiment une merde. Boris, donc oui, on parlait de l'univers des toilettes, l'univers du couloir en carrelage et l'univers des scientifiques. La porte bloquée. J'ai un Dostoven. Il y en a un qui court après Boris qui essaie de lui mettre des coups de main. L'âme de merde. C'est même pas des coups de poing, hein. Il n'y avait pas de violence, mais. N'importe quoi. Bon, moi je trouve ça assez joli. Il y a une réédition qui a été faite de Perfect Dark, qui est quand même son petit frère sur XBLA aujourd'hui, et qui au final, on disait avec Gookie quand même, c'est bien qu'il l'ait refait, hein, niveau graphisme. Ouais, c'est clair. Là, ça pique un peu. Mais non, c'est vraiment rétro pour le coup. Non, je trouve que ça. Voilà. Regarde, je squatte les chiottes là, regarde. Franchement, je trouve que. Donne rendez-vous, aux gens. Il est aux toilettes. En fait, le problème de GoldenEye, c'est surtout le gameplay en fait. C'est pas tellement l'esthétique, parce que là, je trouve que ça passe encore, mais. Même à l'époque, c'était gênant. Mais ouais, le gameplay c'est chaud. Quoi. C'était gênant à l'époque. Non, à l'époque c'était pas gênant. Ce que j'allais dire, ils ont fait comme Resident Evil, tu peux pas taper, tu peux pas rafler. Histoire de rendre le jeu plus intéressant. Elle est géniale la trompette de Charlie Oleg. C'est bizarre. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, je veux bien. J'ai mal à ce qu'on peut voir le score. On doit s'arrêter. Non, on voit le score d'ailleurs. Je sais pas. Vas-y, arrête, je crois que c'est celui qui est mort le plus dur. Le score, c'est... C'est moi qui gagne. Ah, c'est-à-dire 6. Ah, merde. Purée. Bon, ouais. Oh, moi, j'ai 5. Oh, merde, monsieur. Mais c'était de la merde. Non. Non, mais c'est très bizarre, en fait, le rétro gaming. Je coupe. Ouais. Le rétro gaming, c'est très bizarre parce que... Ça se met. Finalement, c'est beaucoup les souvenirs qui jouent sur ce délire-là. Et une fois que tu remets les mains dessus, 20 ans plus tard... Ça fait mal. Et qui arrête de jouer. Je vais les tuer. Tu? Je vais les tuer quand ils sont plus là. Non, on joue plus. Ils ont pas respawn. C'était un terme qu'on n'avait pas à l'époque, hein, je pense. Respawn. Non, c'est venu après. Peut-être dans mon PC. Je pense qu'on dirait réapparaître. Mais réapparaître. Oui. À la bonne manière des Français. Je n'ai pas René. Alors Boris. Viens, on lui met une note. Alors d'aujourd'hui, est-ce que c'est
envisageable de refaire le jeu en entier. Je me rappelle que l'histoire solo était vraiment bien. Ah oui. Très très bien. Ah oui, non, mais si on l'a pas fait, ouais, il faut le faire. L'intérêt du jeu, c'était que les dégâts étaient localisés. C'est-à-dire que quand on, quand on shootait sur le chapeau d'un russe, son chapeau volait. Et après, on devait tirer dans sa tête encore une fois. Et sinon, c'était une bonne aventure. Ça, c'était relativement fidèle. Il était super. C'était plus ou moins fidèle par rapport au film. Aussi. Une licence, c'est une bonne licence. Ouais. Oui. C'est la meilleure. Pour moi, c'est la seule licence. Ouais. Mais ils l'ont refait sur XBLA, si je dis pas de conneries. Ils ont mis Daniel Craig à la place, non ? Non. Alors, je vais vous en parler très, très, très brièvement parce que je l'ai pas fait suffisamment, mais je l'ai trouvé sur Wii. Et le problème, c'est que si t'as pas le pad réadapté à cette jouabilité-là, c'est-à-dire c'est le pad qui a des manches, enfin des, comment on appelle ça ? Des cachettes, des poignées. D'accord. Des poignées, donc c'est un pad qui ressemble à la PlayStation 1. Moi, j'ai juste le pad classique. Et en fait, c'est pas jouable. Et à la Wiimote, c'est pas terrible non plus. Donc, il faut que je me trouve une manette pour y jouer. Mais sinon, graphiquement, En plus, il est vendu avec la manette un peu dorée. Il est beau, quoi. Ouais, mais ça, c'est un pack collector et c'est dur de trouver ça aujourd'hui. Malheureusement. Tu poses la question, savoir si un jeu est beau graphiquement sur Wii, toi. Okay. Non, mais, si. Donc, cela dit, ce qu'on vient de vivre, GoldenEye, on y a passé des heures. C'est des dizaines d'heures, des nuits entières. Mm. Et là, on vient de jouer 10 minutes et on est super déçu. Je suis pas déçu, moi. Si, parce qu'au final, la maniabilité de la manette, qui est pourtant une manette sublime, la manette. On dirait que t'es enrhumé, c'est bizarre. Oui, la manette de la N64, elle est quand même superbe. Enfin, je veux dire, faut le reconnaître. C'est un triple manche. C'est un modèle d'ergonomie, elle est pas. C'est un triple dong. C'est un triple manche comme moi. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Et mais t'as du mal à gérer les sticks, les boutons jaunes, tu sais. Ouais, mais ça c'est tout à fait. Avec la GameCube, t'auras un stick à la place. C'est un problème d'habitude. Là, c'est un problème d'habitude. Je suppose que si on t'y laisse jouer une journée entière, au bout d'un moment, tu redeviens un killer. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair que là, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé une vieille ex. Tu vois, t'es au supermarché, puis tu la rencontres, tu fais ah ouais, quand même, j'avais pas de goût à l'époque. Salut, comment tu vas? Alors, quoi de neuf? C'est à toi le bambin, hein? Ah, tu l'as fait avec mon pote de l'époque, c'est sympa. Mais il est moche. C'est ouais, c'est ce que j'allais dire, il est moche. Il est plus beau avec moi. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Bizarre. En parlant de gamin et dans la joie.